Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Elden Ring. Alors, entre mon dernier tournage et celui-là, il y a eu la mise à jour qui apporte déjà sur la map ceci. Là, vous voyez, là, il y a des petits carrés là. C'est le nom des PNJ. Voilà. Ça l'apporte pour tous les petits PNJ. Voilà, là, on voit qu'il y a calé le marchand. Donc, c'est très bien. Parce qu'avant, on n'avait pas les PNJ, donc on ne pouvait pas savoir où aller pour retrouver les marchands. Maintenant, ça y est. On a ça, on a les geôles aussi qui apparaissent. Donc ça, c'est très bien. On voit ici que j'ai pas été activé cette geôle-là. Bon. Parce qu'avant, il me semble qu'elles apparaissaient pas, les geôles. Il me semble qu'on a aussi maintenant les tombeaux qui apparaissent. Si je dis pas de conneries. On a vu cette femme, d'accord. J'ai vu cette femme. Voilà, enfin, il y a plein de petits trucs, la petite cabane et tout. Donc ça, c'est pas mal. C'est très très bien même. On va pouvoir reprendre directement dans le châtal. On était mort en faisant mumu sur les toits ici. On était tombé contre des chiens et on était mort là-bas. Voilà. Donc on va y retourner pour aller chercher nos précieuses runes. Allez. Ouais, si on meurt, on meurt. Puis voilà, nos runes seront perdues. Allez. Ils ont bougé aussi la position de quelques PNJ, ça j'ai su. Et fait beaucoup d'équilibrage. Mais je vous mettrai... Il y a un petit peu moins de freeze aussi. Un tout petit peu moins. Y a une vidéo qui a été faite sur les changements. Je vous la linkerai au passage. Ah ou ah ou ah ou ah ah. Ah oui non mais j'ai presque pas subi de dégâts dès que j'ai fait de la merde. Pourquoi il l'a pas ciblé? Pourquoi il l'a pas ciblé? Pourquoi il l'a pas ciblé? Merci. Aïe, vraiment pas très très mal. Aïe, roulade, roulade, casse-toi. On chie avec leur sirène là. Il a déjà gaspillé plein de fioles. Ok. Ah, quand ça cible pas et que tes attaques partent dans le vent, tu es toujours très content. Et quand t'as un petit freeze aussi. Voilà, merci. Eh ben... c'était de la merde. C'était de la merde. Voilà. J'ai fait de la merde, j'ai déjà gaspillé toutes mes fioles, super. Parce que j'avais juste oublié ce monsieur. Voilà. Hop là. En fait, mais si on l'oublie pas, tout se passe bien. Allez. Hop, voilà. Ah oui, là il y avait un piou-piou. Je suis peut-être pas obligé de le combattre ce piou-piou. Il me semble que c'était par là. Je sais plus. Est-ce que j'ai envie de combattre le piou-piou? Non. Piou-piou. Merci. C'est ça le problème. Est-ce que j'ai envie de combattre un piou-piou? Aïe, dégueulasse. On voit rien. De quoi il me touche là? Mais de quoi je le touche pas? De quoi je le touche pas le piou-piou? Oh, ça m'énerve les piou-piou. Bon bah voilà, on a perdu toutes nos âmes à cause, rappelez-vous, de chiens de merde. Voilà, les chiens c'est de la merde. Puis à cause d'un piou-piou, les animaux c'est de la merde. Voilà, tuer les animaux c'est chiant. Oh, piou-piou dégueulasse quoi. Bon, on va essayer de pas oublier le monsieur avec sa trompette. Je suis vexé et je veux tuer les clébards, donc je vais les tuer les clébards, ça c'est sûr. Bonjour. Alors j'ai su ce que ça voulait dire les messieurs avec les yeux jaunes. Ça veut dire qu'ils vous donnent plus d'âmes, enfin de runes pour le coup, mais voilà, c'est ça que ça veut dire. Et...
Je peux pas sauter là, mais si. Ferme ta gueule, pardon. Voilà. Donc là, je vais tous les tuer comme des cacas parce qu'ils le méritent tous. Voilà. Ils méritaient tous de mourir. Ah, mais là, il y en a un. La mer. Voilà. Comme les autres. Là, il n'y en a pas. Non. Il y en a un là qui se cache. Regardez-le, là, ce petit con, là. Voilà. Ils sont tous morts comme des cacas. Très bien. Ensuite. Le piou-piou. Viens là, le piou-piou. Viens là, le piou-piou. Regardez ça. Regardez ce piou-piou, là, qui a l'air tout content, là. Quoi ? Voilà, brûle. Oh, il m'énerve. Oh, il m'énerve. Oh, il m'énerve. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est où? Il est où? Il est où, le piou-piou? Il était invisible. Il était littéralement invisible. C'est quoi, cette saloperie? Bon, tu viens te battre un petit peu? Voilà. Voilà, crève. Non mais oh. Saloperie, va. Là, le truc était invisible, quoi. Alors, se calmer un petit peu. Alors, j'étais parti par là, je crois. Puis par là. Et je crois, hein, je ne sais plus. Ok. Puis par là. Et c'était là les rats, non? Oui. Clairement, c'était là. Ah non, c'était pas là. Là, il fallait une clé machin. J'en ai pas, je crois. Moi, j'en ai pas. Non. Il va m'en falloir une. Ah oui, il y avait lui. C'est vrai. Et lui, on avait fui. Comme un caca. Mais je suis pas sûr que j'avais fui par là. Ok. Si t'aimes faire le con, fais le con. Hein. Écoutez. Pas lui. Pas lui. Ok. Qui a la clé? Comme par hasard. Merde. C'est qui? Mais c'est un paysan. Coffre. Tu peux pas me voir. Je suis invisible. Elles sont sympas, leurs petites capes. Et paf! Oulade! Merci. Oula, mais doucement, Jackie, la frite, s'il te plaît. Con, je croyais pouvoir me battre, hein. Eh bien, non. Tu ne peux pas battre le AK. Bonjour, toi. T'es moche. Voile mimétique. Je ne sais pas ce que c'est. Ça permet de copier des objets. Ça va permettre de faire quoi? De se transformer en gens pour que les gens nous attaquent. Là, il y a un... Est-ce qu'il y a des trucs cachés dans celui-là? Des couloirs cachés, comme dans les autres. Ah bah c'était là!
Ah, c'est quand même beaucoup plus simple. Comme ça. Alors, on est où là? Là, il y a un mec qui fait dodo. Ok, je vais le tuer. Parce que tu mérites. Voilà. On peut pas couper ça? Il y a lui. Il faudrait que je puisse aller là-bas, moi. Ça m'intéresse. Par contre. Alors. Parce qu'en fait, si j'arrive de l'autre côté, là. Ah, et là, je peux toujours pas mourir. Hein. Si j'arrive de l'autre côté, je peux lui balancer des boules de feu gratuitement, sans qu'il puisse rien faire. Ça me paraît une bonne idée, moi. Bon, on va descendre là où il y a les toutous. Voilà. Donc il fallait que je passe par l'autre côté, peut-être. Je ne sais pas. Et là, il y a quoi? J'arrive où, là? J'arrive ici. Je sais pas où je suis. Mais lui, il va le savoir. Merci, Jackie. Des gens bien exilés, merci. Ah oui, ça c'est pour gagner des âmes. En plus, pendant une minute je crois. Enfin c'est un chrono et c'est un buff qui vous donne des âmes en plus. Ah, on pouvait passer par là. Pour tenter d'arnaquer. D'accord. Mais on peut aussi monter là. Est-ce que c'est ce qu'on va faire? Oui. Et tu vas où? Je ne sais pas. Alors, ça mène où, ça? Je ne sais pas où je vais. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah bah là. Voilà. Voilà, crève. Et là, la porte. Bien. Bien vu, l'aveugle. Ok. Donc au moins, on a raccourci pour revenir ou aller. Je ne sais pas. Alors attendez, voilà. Ok. Salaud. C'est un peu salaud ça quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La viande de saumure, ok. Ah, une clé lame de pierre, on en avait besoin justement. Alors, et là normalement il y a le boss là. Là il y a lui. Ah mais regardez ça, ce petit saligo il se cache. Je ne peux pas l'attaquer depuis les aïrs. Alors peut-être que... Ça lui fait pas grand chose. Ouais. Non, ça sert à rien. On lui fait pas assez de dégâts. Ça sert à rien de gaspiller toute sa magie. Et là. Par contre, là, si je descends là, il y a un objet, je vais aller le chercher. Voilà. Par contre, non, Coco, moi je t'affronte pas tout de suite. Je dois descendre là où il y avait les chiens. Essayer de trouver un autre site de grâce et venir te casser les couilles après. Hop là, ici il y aura d'autres chiens. Non, j'ai pas l'impression. Masse de chair, très bien. Souvenir du cocon. Ah, on nous a parlé de ça. Le cocon. Peut-être le donner à Jacqueline. Hop.
Ah, là, il y a un ascenseur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on va le prendre. Et cet ascenseur nous mène où? Telle est la question. Ah, au site de grâce. Intéressant. Et ben voilà, on va pouvoir lui casser la bouche. En boucle. Ah mais vous avez... Ah mince, je vous ai laissé le... Bah voilà, vous avez en même temps le petit overlay sur... Attendez, je vous cache ça, voilà. Vous ne voyez plus mes touches. J'avais pas vu que je l'avais laissé. Bah voilà, vous l'avez eu un petit peu. Voilà, vous l'avez eu. Donc si vous avez envie qu'il soit là... Bah vous me le dites et je vous le laisse, si vous n'avez pas envie, eh bien on reste comme ça. Voilà, vous aurez eu un quart d'heure avec. Donc je vais le retirer. Voilà, comme ça au moins, ça va pas trop vous embêter. Ok. Est-ce que vous êtes prêts à des morts en boucle? Moi je dis, c'est parti. Ah ouais mais attendez, tout le monde est revenu. Ah mais là il y a personne avec lui. Regarde ça, petit con. Ça c'est bien maintenant qu'on puisse charger les sorts aussi. Wouhou, il fait le con. Il va arrêter de faire le con. Ah Jackie, arrête de faire le con. Que dis-je? Roulette. Ah! Ah! Aïe! Hein? Mais ah, son cri me fait des dégâts? D'accord, il fallait le savoir. Mais c'est bon à savoir. Son cri nous fait des dégâts. D'accord. Pareil, hein, si vous voulez les touches là, je peux les bouger dans l'interface. Ça c'est possible aussi. J'avais oublié de l'enlever. Je faisais des tests sur d'autres jeux avec et j'ai oublié de l'enlever. Ok. Donc, il va être chiant. J'en ai un petit peu, je pourrais peut-être améliorer encore mon Uchigatana. Voilà, on se renvoie l'ascenseur parce qu'on a tendance à mourir contre lui à mon avis. Mais oui, mais ça c'est très bien ça. Moi je vote pour. Aïe. Pourquoi ma caméra l'a bougé d'un coup? Aïe. Reste bien là. C'est bien. Ah, j'ai plus de magie. Je vais devoir le faire à la réglo. Tu m'as oublié. Je ne suis pas là. Ah non, il ne m'oublie pas, dommage. J'ai pas un truc qui régène la mana?
un autre objet qui régénérait la mana. Je pense pas, hein. Ah, on n'a pas essayé ça. Ça, ça fait quoi? Ah oui, ça, c'est vrai. Ça, on n'a pas essayé. Attendez, on va essayer. C'est quoi? Ah oui, mais ça consomme des PC d'utiliser les objets dans le jeu, c'est vrai. C'est pas que je suis là. Ah si! J'ai demandé roulade arrière. 50 fois, j'ai demandé roulade arrière. Ah, on entend marteler la manette. Voilà pourquoi c'est bien d'avoir l'affichage des touches pour qu'on voit quand même quand le joueur appuie sur les boutons. Quand des fois on vous dit qu'il y a des lags ou que le personnage ne fait pas ce qu'on demande, vraiment vous avez la preuve. Et oui. Par contre, je vais mettre fiole. Merci. Est-ce que j'en ai? Vous n'avez pas assez. Ah, améliorer les fioles. Vous n'avez pas assez. Voilà, répartir les fioles. Ah, il fera moins le malin maintenant, hein. Jackie, là. Maintenant que j'aurai plus de magie, il va faire moins le malin. Moi, je vous le dis. Mais oui. Sachant qu'il n'est pas amélioré, hein, mon truc de magie, là. Et que je sais qu'on peut le faire pour que les sorts soient plus forts. Oups. J'ai déjà allé rechercher ça. Voilà. Allez, on vient bien là. Oh. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà. On vient dans la bouche. Attends, je picole. La caméra. Pourquoi je peux pas le cibler là? Voilà. Je vois pas encore. Chantière. Regardez l'allonge qu'il a par rapport à vous. Il passe à travers les murs. Normal que je triche un peu, non? Ryan, je suis là. Allez, viens. Parce que là, avec le pilier, je suis pas sûr que ça passe. Connard, tu viens? Regardez cette tafiole là qui s'en va là. Il vient de battre. Ouais, hein, ça sait se battre dans... Quand ça a l'avantage, il sait se battre, hein. Voilà. Victoire. La victoire de Canard. Jamais je me laisserai avoir. Jamais. Une hache des montagnes. Très bien. Très belle peinture, by the way. Alors, par là, on va où? Ils ont pas beaucoup investi dans la... Bonjour. Le mec le plus lent à réagir de l'univers. Ils ont pas beaucoup investi dans les lumières, hein, dans ce château. Pas très bien, hein. Des flyches. Très bien. Pourquoi des flyches? Pas bizarre. Aidez! Ils savent qu'il faut investir dans la lumière ou pas pour qu'on voit quelque chose. Ouais, donc il y a ça là-bas. Je reviens. Alors, désolé, peut-être une petite hallucination auditive, mais ce n'est pas grave. Des fois, il a des hallucinations, le garçon. Ah! «
Ah, non. Pas par là. C'est là où j'étais avec le monsieur ou pas? Attendez. Et je remonte. Oui, c'est là où j'étais. Oui. D'accord. Alors, on va pas aller par là. Enfin, pas tout de suite. Si ça vous gêne pas. Donc là-bas, ok. Là, ça a été fait. J'oublie ici un objet, on va le prendre. Voilà, je ne sais pas à quoi servent ces boulettes de viande. Peut-être boulettes kafta. Les toutous, c'est bon. On a donné. Là, c'est là où j'ai battu Jackie la frite. Oui. Ah, voilà. Et là, il y avait le truc de la clé lame de pierre. Alors. Oui, et ça marche. Mais de toute façon, on n'était pas très loin, donc au pire. Ok, il y avait deux connards. Voilà. Et ça, c'est fait. Ok. Petit bouclier en bois aquilin. Très bien. Lame d'affûtage en fer. Ok. Et miséricorde. Très bien. Bonjour. Encore un mec très au courant de ce qui se passe, apparemment. À quoi ça sert? On peut tomber là. D'accord. Ah. Mais ça fait... Comment on peut tomber là? Ça fait quoi si on tombe derrière un brouillard de clé lame de pierre? Comment on fait pour le brûler? Je ne sais pas, moi. Bref. Ça c'est fait, ça c'est fait. Arrivé à un moment, il va falloir sortir. Et merde. Et merde. Est-ce que je sors par là? Non, vous savez ce qu'on va faire? On va remonter et on va passer par le haut. Là où il y avait une grande avenue avec des oiseaux. Parce que je le sens pas, moi, traverser la pampa. Ah, on va regarder si le mec repop. Alors s'il repop pas, moi je veux bien traverser. Tenter une charge. Après s'il repop, ça va être un peu chiant. Il y a des ennemis qui repop et des ennemis qui repop pas. Ah, il repop pas. Oh bon, on va tenter. Allez, c'est parti. Là c'était les clébards. Hein. S'il repop pas, on y va. Charge. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bonjour. Ok, on a deux arbalétriers. Coucou. Allez, venez vous battre, les deux épéistes là. Ok, bon, les deux épéistes, ils veulent pas venir se battre. C'est pas grave. Voilà, on va faire ça. Ah, c'est aussi deux arbalétriers. D'accord. Voilà. On fera toujours un de moins. Voilà. Encore un de moins. Bonjour. Oh. Excusez-moi, hein, monsieur, mais... Vous avez chargé tout seul. Maintenant qu'il y a un gros trou là, moi je peux passer. Facilement. Hé, Jackie. Ok. 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 Donc, le mec au canon, toi, tu lâches ça. Toi, t'arrêtes tes conneries.
Toi, idem, connard, tu m'aimes ? Oui, j'ai beaucoup de vocabulaire en ce moment. Surtout dans ce jeu. Voilà. Toi, bah, tu finis par mourir aussi. La graisse magique, des runes dorées. Ça me paraît être une grosse connerie par contre de te mettre bien devant les canons à flammes là. Je pense hein. Alors par contre, pourquoi il y a tant de canons à flammes comme ça? Je vais pas aller par là. Mmh, c'est bien ce que tu fais. Bravo Jackie. Bon, la cour a l'air d'être presque nettoyée. Il y a un gros. Il y a un gros. Alors le gros, on va l'éviter pour le moment. Et on va aller là. Bonjour. C'est beau ici. Alors cette peinture qui brille, j'ai envie d'appuyer dessus, mais ça me fait un peu peur. Tableau de la prophétie. Ah, bon. Bah écoutez. Alors lui par contre... Ah mais j'ai le droit à mes loups ici. Ah. Ça c'était mal visé. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Et là, voilà, là j'ai le droit de les utiliser. Voilà. Mes petits loups. Ah merde! Je suis bloqué. Ah! Voilà, je reprends l'aggro. Bien, il a tué son propre chien. Voilà, on reprend l'aggro. On lui fait du dégât, on reprend l'aggro. Voilà. Il est mort ? Il est mort. Bravo les loups. Alors ça, comment je fais pour le casser ça ? Je ne peux pas. Ah, c'était peut-être lui, en tapant dedans. Donc j'espère qu'il repop. Sinon on a perdu des choses. J'espère que c'était pas important. Ok, emblème de Marika, très bien. Là, ah on pouvait courir jusqu'ici, très bien. Ok. Les loups ont disparu, je suis sorti de la zone. Et là, il y a un site de grâce. Donc on va aller l'activer. Très bien. Ben voilà, tout se passe bien. Et ici, on est où? Je peux activer ça? Oui. Je ne sais pas où ça va m'amener, mais je vais l'activer. C'est un raccourci, donc faisons-le. Ici. Impossible d'ouvrir de ce côté, d'accord. Où m'amène cet ascenseur? Ah, peut-être l'autre, là, qu'on avait vu. Un peu plus haut, là. Non, pas du tout. Je suis où? Dépôt, d'accord. Oh! Ah! Allez le bousier! Merci. Mandorage. Ah bah. Écoutez. Et là, un mec nous attaque. Prestement. Bah voilà. Moi je dis, pourquoi pas. Alors, on est où? Ah. Un boss. Ah. Un géant.
D'accord. Decker, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Et donc par là, il y a quoi d'autre? Ces peaux là, c'est quoi? Ces hommes peaux. Hello. Alors, voyons voir ces hommes peaux. C'est des ennemis? Ce sont des ennemis. Dur à tuer? Ça va. Ah! Il y a le papa peau. Il y a papa peau. Ah d'accord, lui, il est un petit peu plus galère apparemment. Alors, attends. D'accord, il peut faire ça, il peut passer à travers les textures. Ah mais le feu, ça marche bien contre Papa Pau. Ça brûle Papa Pau. Il a pas l'air solide au feu. Allez, meurs. Ok, on a tué Papa Pau. Fragment de vive jarre. Ravioles de viande crue. D'accord. Bah écoutez. Les bébés peaux. Ah, quand ça explose, c'est pas de la... c'est pas toxique. Ah, moi je crois que c'était une sorte de poison ou je sais pas quoi. Facile alors. Allez. Des peaux fissurées, bien. Des peaux fissurées. D'accord, bon, bah on a tué des peaux. Voilà. Vous êtes content de vous? J'ai tué des pots. Hello. Bien. Alors, on va pas faire le boss tout de suite, on va pas faire le boss aujourd'hui, ni demain, ni la prochaine fois, parce que la prochaine fois, on va aller explorer le reste du château. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.